Bonsoir, soyez les bienvenus sur Flandre Télévision, on est vraiment content de vous retrouver. Mais un petit peu triste parce que c'est la fin du carnaval, nous sommes mardi gras d'ailleurs aujourd'hui. C'est la fin du carnaval de Bailleul, on vous l'a fait vivre vendredi, dimanche et aujourd'hui en live. Vous allez le voir dans quelques instants derrière moi, Gargantua, le géant de Bailleul, le char de Bailleul par excellence, le char du carnaval, va rentrer, vous le voyez sur le titre, dans sa demeure. C'est-à-dire que tous les chars que vous avez vus pendant le carnaval se sont mis sur le côté, on va le voir tout à l'heure. Ils se sont garés sur les trottoirs pour laisser place à l'emblème de Bailleul qu'on va voir tout à l'heure. Alors, on va demander aux filles de venir. Comment ça va? Ça va super! Alors, on va faire une par une, le prénom. Julie! Alors Julie, qu'est-ce que tu retiens de ce carnaval? Bah, c'était génial, il y a une bonne ambiance et on s'amuse avec tout le monde. Mais bon, le fait que ce soit la fin ce soir, c'est pas trop triste? Si, c'est super triste, c'est passé super vite. Alors ensuite, on va passer à la collègue, ton prénom? Manon. Alors Manon, même question, tu retiens quoi de ce carnaval, le moment fort de ce carnaval? La joie de vivre, tout le monde s'amuse, puis ça revient, tout, c'est renouvelé tous les ans. Du coup, bah, c'est cool quoi. Bon, petit pincement au cœur aussi, comme je disais à la copine. Grave. Enfin, ça fait un peu un pincement au cœur parce que bah... On aime trop, on vient tous les jours, on fait la fête et tout, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien, du coup, bah, voilà. Vous avez fait les 5 jours? Bah, hier, on l'a pas fait, mais sinon, on a fait les 5 jours, enfin, les 4 jours. Les 4 jours, ouais. Et puis, surtout, on peut picoler. Ah non, à consommer avec modération, je le rappelle. Ouais. Ton prénom? Juliette. Alors, je vais juste me mettre ici. Alors, c'est du direct, hein, les amis. On va peut-être avancer un petit peu, d'ailleurs. Juliette, alors toi, c'est ton... Combien de carnavals? C'est ton premier, deuxième, troisième? Non, je l'ai déjà fait pas mal. Et t'es contente encore de cette édition 2019? Oui, comme tous les ans. Tu reviens l'année prochaine? Ouais, toujours présente. Bon, on te retrouvera au micro de Flandre Télévision. Merci les filles d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. L'actualité, c'est du live, c'est ça. Allez, Antoine, je vais te laisser regarder le char de Gargantua qui va rentrer dans quelques instants. Alors, il y a beaucoup de monde sur le char. On est... Ton prénom? Je m'appelle Léo Dehonguer. Alors, qui est sur le char, comme tu dis? La reine du carnaval 2019. Et c'est ta femme? Ma femme. Est-ce qu'on pourra l'avoir en interview tout à l'heure? Ma femme, oui, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, tu ressens une fierté pour ça? Pour son élection? C'est une fierté, j'en ai bré toutes mes larmes de mon corps. Et elle attendait ça depuis combien de temps? Depuis toujours, depuis qu'elle est petite. Eh ben, on la félicitera tout à l'heure. Ça dans le sang, je l'aime de tout mon cœur. Et ben voilà, le message est transmis en direct. Merci. En plus. Merci à toi. Merci à toi, merci Flandre Télévision. Bon, on est en plein cœur de l'événement. Gargantua passe à côté de nous et surtout les carnavaleux. Alors je vais essayer de rejoindre Antoine. Antoine, pardon. Voilà. Les carnavaleux sont là pour dire au revoir à Gargantua et non pas adieu parce que l'année prochaine, on va refaire la même chose. Le live du vendredi, on va voir la sortie de Gargantua. Le dimanche avec le grand défilé et le mardi pour dire une nouvelle fois au revoir à Gargantua. Vous le voyez, ça ne désemplit pas. Le temps n'a pas été forcément avec nous ce week-end et pourtant tout le monde est là. Les carnavaleux, les bandes, les chars, tout le monde est là en ce mardi soir pour dire au revoir à Gargantua. On va vous retrouver tout à l'heure bien évidemment pour vous faire vivre en live la rentrée de Gargantua dans sa demeure. Annuel, j'ai envie de dire du coup. On va essayer d'avoir quelqu'un. Ah, lui il chante bien, il va venir avec nous. Ton prénom? Quentin. Bon alors Quentin, il y a une petite émotion à dire au revoir à Gargantua? Ah ouais, franchement, là c'est... On n'a pas envie de le quitter et franchement là c'est dur. Bah bon courage en tout cas. Bah oui parce que c'est l'ambiance festive mais on est tous un peu attristés parce qu'on aime ce carnaval quand on est à Bailleul, quand on est en Flandre. On adore ça et il y a un petit passement au cœur. Même pour nous, Flandre Télévision, vous a fait vivre l'événement. On continue là encore pour quelques minutes, on va vous refaire un live tout à l'heure. Et du coup, on a tous un petit passement. Vous le voyez pas derrière moi, mais il y a encore un nombre incalculable de personnes. Antoine va vous montrer les personnes qui sont derrière nous. J'en profite aussi pour remercier durant ce week-end nos partenaires Grand Lille TV, Grand Littoral TV, Canal 31 et Canal 32 de la TNT qui ont partagé le live de dimanche. Et vous êtes des champions parce qu'on est quasiment...
à 24 000 vues. C'est grâce à vous. Vous faites la force de Flandre Télévision, mais aussi de Grand Lille et de Grand Littoral. Voilà, on remercie nos partenaires. On vous remercie de nous suivre sur Flandre Télévision. Comment tu t'appelles ? Lana. Pourquoi tu aimes bien le carnaval ? Bah, c'est pour s'amuser et bon, pour faire la fête. Bon, je pose la question à tout le monde, mais tu es triste que ça se termine ? Oui, un petit peu. Bon, tu reviens l'année prochaine ? Oui. Bonne soirée, merci beaucoup. Allez, on va avancer un petit peu, il y a beaucoup de monde. Les rues commencent à être noires de monde. Voilà, vous le voyez, l'ambiance, elle est forcément là. On va se retrouver tout à l'heure. Je demande l'accréditation à Antoine. On se retrouve tout à l'heure pour vous faire vivre l'entrée de Gargantua dans sa demeure avant de le ressortir l'année prochaine pour le carnaval. Merci à Aurélien Beaufromé derrière moi pour nous aider. Merci à Simon Charles. Merci à Antoine Debuc. Merci à Saskatintra d'être avec nous ce soir parce que c'est une belle organisation. On est une association, mais on aime prendre du temps pour vous faire plaisir. On avance encore un petit peu parce que on prend du plaisir. Honnêtement, on prend encore du plaisir. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Pour la mettre sur vos réseaux sociaux, vous faites la force de cet assaut et on vous remercie encore énormément. Voilà, comme je vous le disais, vous le voyez peut-être, les chars sur les côtés hein, qui font la haie d'honneur. Voilà, on va essayer de prendre un peu de place. Ils font la haie d'honneur à Gargantua. Tous les clubs, tous les chars, toutes les associations sont là. On va peut-être s'entendre un petit peu moins, mais on vous fait vivre à 100%. Allez, merci de participer à ce carnaval. Magnifique. On se retrouve dans 5 minutes. On va aller dire au revoir à Gargantua tout à l'heure. Au chahut. Tu seras là ? Ah, je serai là. Bah, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on se retrouve dans quasiment 5 minutes. Grand max 10 minutes. Sur Flandre Télévision, en direct live. Merci et à tout à l'heure, les amis.